Alors, pratique de la semaine 1, ouvert ou fermé. Je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que je vais vous proposer. Dans un premier temps, déjà après avoir intégré le cours, c'est vraiment expérimenter que ces fermetures sont souffrantes pour vous, pour que vous ayez suffisamment d'intérêt à l'intérieur de vous à modifier ce qui doit être modifié. Je dis toujours, ne me croyez pas, expérimentez-le, de façon à ce que vous puissiez tenir vos engagements. Si nous n'avons pas conscience que c'est utile et bénéfique pour nous, nous laissons tomber. Alors cette semaine, développez l'observateur. Dès que vous allez ressentir soit des sensations douloureuses dans le corps, soit des émotions ressenties désagréables, soit que vous allez prendre conscience que vous étiez en train de cogiter des pensées négatives, vous allez ressentir qu'il y a fermeture. Et sans rien chercher d'autre, sans rien vouloir comprendre, vous allez prendre la décision d'ouvrir en pratiquant la respiration que je vais vous apprendre maintenant. Cette respiration en trois temps va connecter les trois plans de conscience en vous pour que vous puissiez vous connecter à vos ressources et une part de vous sans que vous n'ayez rien à comprendre ni à lui expliquer quoi que ce soit, va continuer d'agir dans ce sentiment d'ouverture ayant reçu l'information que vous aviez besoin de cette ouverture, que c'était OK pour vous et utile. Est nécessaire. C'est formidable. Alors bien sûr, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez l'intégrer, plus rapidement un nouveau circuit neuronal sera créé en vous et ramènera rapidement le calme, et l'ouverture se traduira par voilà, plus de calme, de sérénité. Ça peut être une sensation de joie à l'intérieur, de vie qui circule, d'enthousiasme, de confiance. Quelque chose qui s'expand, vous sentez à l'intérieur de vous que ça vous élargit, que ça vibre davantage. Et nous expliquerons tout ça en semaine 2, mais ça va avoir une incidence considérable sur votre niveau vibratoire. Et plus votre niveau vibratoire augmente et plus vous êtes connecté à qui vous êtes vraiment et capable de cueillir toutes vos ressources. Donc, dès que je vois que je prends conscience par le corps, par les émotions ou parce que j'ai observé mes pensées, que je suis fermée, eh ben j'ouvre. Ok. Vous avez un PDF à imprimer qui va vous permettre une petite auto-observation avec des exemples, et ça va vous aider à, voilà, je vous invite à l'imprimer en début de semaine pour le lire, et puis que ça reste un peu un fil rouge. Et puis bien sûr, dans cette formation, il y aura bien sûr tous ces PDF et ces tableaux, mais je vous invite à acheter ou à prendre votre carnet, un carnet qui correspond à, voilà, à la forme, au volume, à la taille qui vous correspond le mieux, où vous pourrez aller continuer d'écrire toutes vos prises de conscience, tous vos progrès, tout ce qui se passe pour vous. Et puis, je vous ai créé une méditation nouvelle qui s'appelle ma météo intérieure, pour que vous appreniez à accueillir ce qui est et à aller observer votre météo, car votre corps ne ment jamais, et retourner le regard à l'intérieur pour regarder comment ça respire, comment c'est en vous. C'est déjà prendre contact avec ce qui se passe réellement pour vous. Et dans cette méditation, j'ai repris la respiration pour que vous puissiez l'intégrer complètement de façon guidée et pour gagner de l'autonomie ensuite dans votre pratique. Voilà ce que je vous propose pour la semaine 1. Vous pouvez vous arrêter là et simplement aller sur la méditation plus longue.
Ou sinon, je vais prendre le temps sur cette première vidéo de vous guider, de vous l'expérimenter. Donc, si c'est OK pour vous de pratiquer maintenant, je vous invite à vous asseoir confortablement sur un fauteuil, une chaise ou sur votre coussin, plutôt en position assise dans un premier temps pour avoir l'alignement. Ensuite, vous pourrez le faire allongé. Mais là, dans ce premier temps aujourd'hui, aligné pour laisser tous les canaux et les systèmes s'installer bien au niveau de votre colonne vertébrale. Et puis, de débrancher votre téléphone, de vous mettre dans un espace, ça va prendre quelques minutes, juste pour l'expérimenter et vous pourrez l'approfondir avec la méditation plus longue. Alors, je vais vous laisser devant ce beau paysage parce que ce sera plus agréable que de me regarder les yeux fermés. Et je vous invite à juste fermer vos yeux. Voilà, juste fermer vos yeux. Et allez regarder à l'intérieur de vous comment est votre météo intérieure à cet instant précis. Est-ce que vous observez des tensions, des contractures, des douleurs? Et sans vouloir les enlever, sans vouloir qu'elles disparaissent, sans vouloir agir sur elles, dans un premier temps, vous accueillez cela dans le champ de votre conscience. Vous observez également les endroits qui respirent, les endroits libérés, les endroits où vous sentez l'énergie qui circule en vous, les endroits qui sont ouverts. De la même façon, dans un accueil et une acceptation totale. Prenez ce temps d'observer. Et vous développez l'observateur, c'est-à-dire cette partie de vous qui observe ces sensations sans jugement, avec bienveillance. Sachant juste que ces sensations révèlent votre état d'être du moment. Et maintenant qu'il y a eu cet accueil, vous allez décider soit d'ouvrir davantage si c'était déjà ouvert, soit s'il y avait des fermetures, d'agir en conscience pour permettre à votre corps de s'ouvrir afin de débrancher l'axe du stress, de libérer de nouvelles hormones bonnes pour vous et puis d'amener plus de joie, de vie à l'intérieur de vous, de laisser votre mental respirer, les pensées s'espacer pour plus de cohérence, plus d'unité à l'intérieur de vous. Et nous allons apprendre une respiration en trois temps pour connecter les trois plans de conscience. Simplement observez l'air qui rentre en vous et l'air qui sort de vous et suivez le trajet pendant trois respirations. Vous sentez vraiment l'air qui rentre et tout l'espace, tout ce qui bouge dans votre corps quand l'air rentre et l'air qui sort. Sans rien changer au rythme respiratoire du moment. Et pour débrancher le mental, pour lui permettre de ralentir le flot de ses pensées, je vous invite à continuer pour vous, mais vous allez compter intérieurement le temps de votre inspiration. Et comptez intérieurement le temps de votre expiration. Comptez le temps d'inspire. Et quand l'expiration se présente, vous comptez le temps d'expire et vous renouvelez plusieurs fois pour vous.
Le fait de compter va permettre de relâcher les pensées, car vous focalisez vos pensées sur le comptage et pendant ce temps-là, tous les films que vous étiez en train de vous raconter vont s'arrêter comme si la bobine était sur pause et cela va permettre sur le premier plan de conscience du personnage de ne pas rester identifié à ses pensées. Nous changeons de plan de conscience et nous passons dans l'observateur, le moi supérieur, qui prend l'engagement, l'action consciente de s'amener du bon et de l'ouverture. Vous allez continuer de compter votre temps d'inspire et vous allez prendre la décision d'allonger le temps de votre expiration. Si c'est difficile pour vous d'expirer longuement, raccourcissez le temps d'inspire car il est absolument indispensable qu'il y ait au moins une seconde, deux secondes de plus sur le temps d'expire et davantage si vous êtes déjà dans la pratique, de façon à activer le système parasympathique du relâchement. Donc tout seul, pour vous, vous inspirez, vous comptez et vous expirez en amenant une longueur plus grande à ce temps d'expiration pour activer la détente du corps et aider votre corps à se détoxifier totalement. Vous renouvelez pour vous à votre rythme. Et puis, alors qu'une partie de vous continue d'inspirer et d'expirer plus longuement, sans que vous ayez besoin d'y porter attention, nous passons dans le troisième plan de conscience, simplement en amenant votre conscience au niveau de votre cœur, dans votre cœur. Ce peut être dans l'organe cœur ou ce peut être dans le chakra du cœur au centre de votre poitrine. Les deux ensemble, comme si vous étiez installé à cet endroit et qu'il vous soit possible de respirer de votre cœur. Et je vous invite à inspirer de votre cœur. Vous sentez que vous inspirez la vie, vous avez l'intention d'inspirer la vie, l'air rentre en vous et remplit totalement votre cœur. Et à l'expire, vous expirez à l'intérieur de votre corps pour diffuser cette énergie de vie en vous et donner cette intention de vie à chacune de vos cellules, à chaque partie de votre corps, pour qu'elle vibre dans cette vibration parfaite d'harmonie et d'équilibre en vous. J'ai l'intention d'inspirer la vie, je sens que c'est la vie qui rentre en moi, elle descend et j'inspire dans mon cœur. Je peux même peut-être garder un temps avec ce cœur plein où je suis un peu en suspension pour savourer. Et j'expire dans mon corps pour amener cette intention au niveau vibratoire dans tout mon corps, pour amener cette vie et que tout mon corps se réharmonise avec cette énergie vitale, et je peux peut-être accepter un petit temps en apnée, ventre vide, avant qu'une nouvelle inspiration ne se présente. Et je renouvelle une dernière fois pour moi, j'inspire cette vie. Je prends vraiment conscience de cette vie qui rentre en moi et de cette vie qui me ressource à l'intérieur. Je peux remercier tous ces jolis oiseaux qui sont venus nous accompagner dans cette méditation et ressentir comment je me sens maintenant dans mon corps, dans ma tête,
et dans mon état émotionnel du moment. Et plus je vais pratiquer cette respiration en trois temps, que je peux faire sur une minute simplement si j'ai peu de temps, je respire quelques fois sur le premier plan, quelques fois sur le deuxième, quelques fois sur le troisième, ou si j'ai le temps de 5, 10, 15, 20 minutes, c'est encore mieux. À chaque fois que je vais réactiver ce nouveau circuit, je vais me reconnecter à toutes les parties de moi et surtout à celles qui ont déjà les réponses et qui sont déjà dans l'ouverture. Et je pourrai désactiver l'axe du stress et me faire du bien. Voilà la pratique de la semaine, d'une très jolie pratique que vous retrouverez dans la méditation enregistrée, qui est possible à télécharger pour pouvoir mettre ensuite dans vos supports audio et les écouter à tout moment de votre journée. Je vous souhaite une très jolie pratique d'ouverture et voilà, les fermetures sont simplement là pour nous rappeler les endroits où nous avons à travailler sur nous. Et nous avons le choix d'ouvrir pour déjà laisser une partie de nous régler le problème. À la semaine prochaine.